Ce jeudi 26 janvier 2023, France 2 propose un nouveau numéro inédit de Cache Investigation présenté par Élise Lucet. Le magazine s'intéresse aux promesses écologiques faites par certaines multinationales comme Total qui installe pourtant un immense complexe pétrolier en Afrique. Le nouveau numéro de Cache Investigation risque à nouveau de faire grand bruit et de se créer quelques inimitiés chez des grands patrons. Le magazine d'Élise Lucet diffusé sur France 2 continue sa lancée pour dénoncer des pratiques abusives. Dans les précédents numéros, les journalistes du programme se sont attaqués entre autres à la multinationale McDonald's ou encore aux pratiques scandaleuses de certaines associations caritatives. Ce jeudi 26 janvier, ce sont plusieurs grandes entreprises qui seront mises sur le banc des accusés. Cache Investigation, enquête sur les pratiques de BNP, Nespresso et Total face à une population de plus en plus concernée par le dérèglement climatique actuel, les entreprises tentent de soigner leurs images en affirmant haut et fort mettre en place de nombreuses mesures écologiques. Derrière ce greenwashing affiché, la réalité du terrain est parfois tout autre. Cache Investigation s'est ainsi intéressé aux promesses de BNP Paribas, Nespresso et surtout Total. La multinationale gagne chaque jour pas moins de 73 millions d'euros. Des revenus qui lui serviraient en partie, selon eux, à financer la transition énergétique. Dans l'extrait vidéo que Télé Loisirs vous propose de découvrir en avant-première, des journalistes du magazine sont allés enquêter en Ouganda, où l'entreprise française construit un immense complexe pétrolier avec un oléoduc de plus de 1400 km, ce qui impacte la vie de plus de 100 000 personnes. Des citoyens s'opposent à ce projet, quitte à être emprisonnés pour leurs convictions. Il est un peu anxieux à l'idée qu'on aille faire des interviews à cause des pressions qu'ils l'ont subies, explique l'une des journalistes qui doit rejoindre de la manière la plus discrète possible un opposant au projet. Cache Investigation, un reportage suivi d'un débat après le numéro inédit, Élise Lucet proposera un débat à 23h avec des chefs d'entreprise, des politiciens mais aussi des responsables d'organisations à but non lucratif. France 2 tentera de trouver des solutions pour atteindre la neutralité carbone en 2050, souhait affiché par les entreprises comme par les pouvoirs publics. Et de comprendre le rôle que les multinationales qui touchent des super-profits ont à jouer dans cet objectif. À lire aussi ils étaient à cran, mais ils ne me regardaient pas moi, Élise Lucet dévoile les coulisses de son altercation dans une station-service.